Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler podcast. Mais avant, je tenais vraiment à vous souhaiter une bonne année 2017. Je souhaite le bonheur, la réussite, la santé, que 2017 vous réussisse. Et en tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de vos proches et que cette année 2017 commence bien pour vous. Et pour ceux et celles qui m'ont suivi en 2016 et avant, encore merci d'être présent sur ma chaîne en 2017, ça me fait énormément plaisir. J'arrive pas à croire que ma chaîne va bientôt avoir 3 ans. Ça passe très vite, mais bref. Du coup, on va commencer cette vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler podcast. J'en avais jamais parlé avant sur ma chaîne, alors que ça fait pratiquement un an maintenant, j'en écoute assez régulièrement. C'est vraiment quelque chose que j'aime écouter le soir quand je rentre après les cours, quand je suis dans les transports en commun, quand je lis, quand je bosse. Et au final j'en ai jamais parlé et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Aujourd'hui du coup je vais vous parler de 5 podcasts que j'écoute très souvent. Enfin, si vous aimez être accompagné d'un fond, d'un fond sonore quand vous bossez, quand je suis dans le métro, quand je suis dans le train ou quand je bosse, quand je bosse le soir en rentrant, etc. ou quand je lis, c'est vraiment des choses qui m'inspirent. Et en plus, podcast pour tout, et vous allez forcément trouver un podcast qui va réunir tout ce que vous aimez, que ce soit les séries, le travail, les médias, ça peut être les livres. Enfin, il y a vraiment des podcasts pour tout le monde qui parlent de tous les sujets, et ça, c'est vraiment cool. Du coup, j'avais vraiment envie de vous partager donc 5 podcasts qui sont totalement différents. Il y a des talk shows, il y a un podcast qui se parle séries, il y en a un étudiant. Enfin, voilà, il y a vraiment des podcasts pour tout le monde. C'est des podcasts qui sont totalement gratuits, je tiens à préciser aussi. Ils sont disponibles la plupart du temps sur SoundCloud, Spotify, iTunes et encore d'autres plateformes, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens des podcasts en barre d'infos. Donc le premier que j'ai découvert, en fait c'est vraiment le premier podcast que j'ai écouté il y a pratiquement 2 ans maintenant, et c'est le podcast de Tyler Oakley, qui est un youtubeur américain qui est très connu. Et donc il a fait un podcast avec son meilleur ami qui s'appelle Psycho Babo. Je sais pas si je le prononce bien, de toute façon je vous mettrai toutes les informations et un petit extrait je pense. Hey everyone, my name is Tyler Oakley and you are listening to Psychobabble, an unfiltered half hour of gossip sessions, pop culture scrutiny and stories I've never told in videos. It's not just crazy talk, it's Psychobabble. Le podcast est mis en ligne toutes les semaines à peu près, et ça parle de sujets hyper divers. Ça va de YouTube, ça parle beaucoup YouTube, ça parle d'actualité, de Halloween au bal de promo. Le podcast dure à peu près 30 minutes à 40 minutes il me semble, je suis pas très sûre pour ça, mais c'est vraiment hyper cool. Donc par contre c'est en anglais. Enfin, du coup ce qui est cool en fait avec les podcasts, c'est que vous pouvez du coup apprendre la langue. Alors du coup il n'y a pas forcément de sous-titres, mais c'est à la portée de tout le monde. Si vous avez un niveau collège voire lycée maximum, vous allez totalement comprendre l'anglais, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un anglais très facile, ils parlent pas très rapidement, etc. Donc franchement c'est vraiment accessible à tout le monde, et voilà, c'est des sujets très communs, du coup ça vous fera peut-être un petit peu progresser en anglais, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Personnellement j'adore écouter ça, m'a fait aimer les podcasts et du coup découvrir un peu ça. Et je vous conseille vivement, si vous aimez la chaîne de Tyler Oakley, vous allez forcément adorer ce podcast. C'est hyper intéressant et les sujets qui sont abordés sont pas mal cool, hyper divertissants. Du coup je vous invite vraiment à écouter Psychobabble. Donc du coup pour le deuxième podcast, ça va être pareil, un talk show, mais cette fois-ci qui est animé par un youtubeur que j'aime beaucoup, mais qu'avant je ne... Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que j'aimais pas un peu son humour noir. Shane Dawson, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un youtubeur très connu aux États-Unis, qui a un podcast qui s'appelle Shane and Friends. Donc en fait c'est un talk show qu'il anime avec une autre... il y a une animatrice, par contre je connais pas son nom. Simplement comme le titre l'a dit, c'est Shane and Friends. Donc dans chaque émission il reçoit un invité. Ça va du youtubeur mais aussi aux comédiens ou des personnes qui jouent dans... qui ont un peu une actualité en fait. Ils parlent de tout, ils font des challenges, ils parlent de pareil de choses qui arrivent en ce moment aux États-Unis, de YouTube, des anecdotes, enfin voilà, ça parle vraiment de tout. Par contre Shane and Friends c'est un petit peu plus adulte que Tyler Oakley. Je pense que Psychobabble se dirige un petit peu plus vers les adolescents, alors que Shane c'est vraiment jeune adulte voire adulte. Welcome back, Shane. Thank you. You're welcome. I'm really excited. First of all, we're going to make, you know, usually we talk for like 20 minutes. We're going to make this like 10 minutes because I am so excited. Our guests are already here. I can see them in the waiting room with my mom. Right. Who was going to call in today, but then decided, I was like, no, you have to come in. We have some fierce, fierce ladies about to be coming on today. C'est disponible sur SoundCloud, iTunes. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Allez l'écouter, c'est vachement cool. Personnellement j'aime beaucoup écouter, j'adore cette chaîne. Et il est vraiment très drôle, très simple. Et
Ouais, j'adore, je trouve qu'il a un humour noir que j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à l'écouter et à tester sa chaîne vidéo, que ce soit sa chaîne, mais également, voilà, il parle de sa passion pour le cinéma. Vraiment des thèmes que j'aime beaucoup et du coup, je vous invite vraiment à aller écouter son podcast. Donc pour le troisième podcast, on va parler d'un podcast qui est cette fois-ci étudiant, qui est en fait dans mon IUT. Et donc c'est comme un air, donc en fait c'est un projet tutoré, donc je sais pas si vous savez réellement, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est un projet tutoré, mais en gros, c'est un projet qu'on doit réaliser en deuxième année. C'est un projet qui prend vraiment tout le troisième semestre, voire enfin, le troisième et quatrième semestre. Mon projet tutoriel, c'est un peu comme une agence de communication visuelle, mais il y a également du coup une radio étudiante qui est au sein de mon IUT, et donc cette radio s'appelle Common Air, c'est disponible sur SoundCloud, donc c'est tenu par 5 étudiants. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, allez écouter, c'est vachement cool, personnellement j'adore. Bonjour à tous et bienvenue sur votre web radio Common Air. Ici votre animatrice Ophélie, je suis ravie d'être avec vous et bien sûr avec toute la petite bande, avec Erwan, Alix, Sarah et Ami. Bonjour. Salut. À tous. Bonjour. Et aujourd'hui pour cette nouvelle émission Projet Tutoré, on se retrouve avec le projet Come With Us. Bienvenue à vous. Merci. Il me semble qu'ils sortent 2 numéros par mois. Ce qui est cool, c'est qu'ils font découvrir des associations, qui font découvrir vraiment des associations de la métropole lilloise. Ils parlent de conseils étudiants, d'applications, de culture, d'actualité en France, dans le Nord. Franchement, si vous êtes étudiant, cette radio est vachement cool. Personnellement, j'adore. En plus, voilà, c'est mes potes, donc je me devais de m'en parler parce que j'adore les écouter. Et en plus, voilà, ils adorent ce qu'ils font. Ils sont vraiment passionnés. Et pour des étudiants, c'est vraiment une très bonne radio. Donc, je vous mettrai leur page Facebook en barre d'infos ainsi que les liens pour écouter. Allez les écouter parce qu'ils font un travail de ouf et c'est vraiment hyper cool. Donc je mettrai ça en barre d'infos. Pareil, c'est sur SoundCloud. Et voilà, je refais un bisou s'il passe derrière par là. Pour le quatrième podcast, j'avais envie de vous parler d'un podcast que j'ai découvert en fin d'année 2016 et que j'aime beaucoup. Donc c'est un podcast qui parle d'un sujet qui m'est très à cœur, qui est donc les séries. Donc en fait, c'est le nom du podcast s'appelle Un épisode et j'arrête. Ça a été créé en 2016 par l'association des critiques de séries en France. Et donc en fait, maintenant il me semble qu'il y a 4 numéros disponibles, mais ils comptent sortir un épisode chaque fin de semaine, donc chaque dimanche. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. C'est vraiment des personnes très professionnelles parce que les intervenants donc, sont des critiques de séries, ils travaillent sur des blogs style Télérama, Binge, OCS, etc. Et c'est vraiment très très, enfin le podcast est vraiment très très cool. Ils parlent de séries que j'adore comme The Walking Dead, hyper cool. En plus ils enregistrent avec du public. Voilà, c'est vraiment un podcast, c'est un podcast associatif mais en même temps qui est très bien fait. C'est vraiment accessible à tout le monde, que vous soyez fanat de séries ou pas, vous allez forcément adorer ce podcast. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est disponible sur iTunes et SoundCloud, donc allez écouter. Il parle de séries françaises mais également américaines. Voilà, franchement hyper hyper cool, j'ai adoré écouter leur podcast et je vous le conseille vivement si vous adorez les séries. Je sais que beaucoup sur ma chaîne adorent les séries, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est vraiment hyper cool. Je vous mettrai leur lien Twitter, etc. Voilà, donc allez écouter ça, ça vaut vraiment le coup. Du coup, pour le dernier podcast de cette vidéo, c'est un podcast qui parle d'un sujet que j'aime beaucoup, le graphisme et le web design, vraiment comment devenir hyper créatif, vraiment s'y connaître un peu mieux dans le monde qui est un peu hyper vague, qu'est le web design, etc., le graphisme, et qui m'inspire énormément parce qu'il donne beaucoup de conseils, que ça soit comment faire un portfolio, ou par exemple donner des conseils si on veut partir en freelance, ce genre de choses, qui est vraiment hyper cool parce que c'est vraiment leur expérience. Welcome to Design Life, a show about design and side projects for motivated creatives. My name is Charlie. And I'm Femke, and welcome to episode 60. Feels a little bit like a small milestone there. And in this episode today, we're going to be talking about focus. I don't know about you, Charlie, but I feel like this has kind of been a hot topic lately
for a lot of people. I think ce podcast donc s'appelle Design Life. Du coup, ce podcast est animé donc par deux youtubeuses. Donc la première c'est Charline Marie TV, sa chaîne YouTube, je vous mettrai ça en barre d'infos, et elle est vraiment hyper cool parce qu'elle donne beaucoup de conseils, ses vidéos sont hyper cool. Si vous aimez tout ce qui est le web design et graphisme, foncez parce que c'est vraiment très bien. Et donc il y a une autre animatrice qui s'appelle, par contre je sais plus son nom, mais je sais qu'elle est, elle habite à Amsterdam et pareil, elle a en fait son sa petite société et tout, et ils donnent vraiment des conseils très constructifs. J'adore les écouter, ils ont des voix très reposantes et leurs conseils sont très pertinents, enfin je trouve ça hyper intéressant. Pareil, voilà, c'est un domaine que j'aime beaucoup, mais qui, je sais pas si ça va vous plaire ce genre de podcast. En tout cas, si vous vous intéressez au sujet du web design ou que vous voulez un peu avoir des conseils pour être plus créatif, comment bien s'organiser en dehors des cours pour avoir une petite société, etc., c'est vraiment hyper intéressant. Il y a, il me semble, une trentaine de podcasts. Pareil, ça dure à peu près 20 à 40 minutes. Et voilà, c'est disponible gratuitement sur iTunes, SoundCloud. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup écouter et qui me détend pas mal et qui m'informe beaucoup. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir quelques podcasts. Surtout, si vous voulez commencer à en écouter, n'hésitez pas à rechercher sur iTunes parce qu'il y en existe des tonnes qui vous plaira et qui traitera un sujet que vous aimez. Franchement, allez-y tenter parce que c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Tous les liens des podcasts sont en barre d'infos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller les télécharger, à les écouter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous écoutez des podcasts. Je vous retrouve très prochainement dans une vidéo, je vous fais des gros bisous et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Perfect woman, I know it's real. Daydreaming.